fonctionnent les diaporamas sous Google Picasa. Alors, on a pris par exemple ce dossier qui est Fab Lab avec un certain nombre de photos dans ce dossier et on voudrait les lancer sous forme d'un diaporama musical. Alors sachez qu'une fois que vous êtes sur le dossier, vous avez ici une petite icône verte. Lancez le diaporama en plein écran, tout simplement. Vous allez avoir un certain nombre de choix possibles. Alors, évidemment, on peut augmenter la taille de la photo ou pas. Choisir les effets de transition, que ce soit des panoramiques et zoom, des push, enfin un certain nombre d'effets, vous choisissez celui qui vous plaît. D'accord. Vous pouvez choisir la durée de transition, 3 secondes, 4 secondes, si c'est plus ou moins rapide. Retourner les photos si besoin est, et puis après vous cliquez sur la flèche. Donc là, l'effet de transition, le push est un peu moyen. Le plus souvent, on fait un panorama zoom, par exemple. Et vous avez des effets sympathiques. La durée plus ou moins longue, etc. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est dans les options du diaporama. Vous faites outils, options. C'est pouvoir aller ici dire que le diaporama est en boucle, comme ça si vous avez un diaporama projeté dans un salon. Et vous pouvez éventuellement jouer une musique. Par exemple, vous faites parcourir. Vous allez sur l'ordinateur chercher une musique. Et là, il va scanner le répertoire musique et vous mettre de la musique sur votre diaporama. Donc, à titre d'exemple, ici, je lance. Le diaporama avec les effets de transition. Voilà. Même si là, la musique ne sort pas parce qu'elle est sortie par le casque. Mais croyez-moi sur parole, ça fonctionne bien.